Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de la petite série du bar ici. Voilà, c'est pour ceux qui ont suivi le premier épisode, bah, j'étais sur ce spot début avril. Et là ça fait vraiment bizarre d'y retourner parce que là faut savoir que je suis mi-août. Ça fait vraiment bizarre d'y retourner, la nature a complètement évolué. Je me rappelle quand j'étais arrivé, il y avait encore du givre parce que j'étais allé tôt le matin vers 9h, c'était un peu là où le soleil commençait vraiment à beaucoup se lever. Et il y avait encore du givre dans les endroits à l'ombre. Et là c'est totalement l'inverse, il est 15h, 15h30 même je crois. Il fait une bonne chaleur, enfin chaleur correcte quoi, il fait une vingtaine de degrés. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire la marée descendante. Voilà, je vais arriver, donc c'était marée haute il y a 1h30 vers 14h. Je vais arriver en bas, il sera à peu près 15h45, 16h. Et je vais faire une partie de la marée descendante. Et là le but aujourd'hui ça sera faire au moins un poisson. Comme c'était indiqué dans le premier épisode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. Je le mets en fiche en haut à droite de votre écran. Voilà, voilà. On va essayer de faire un poisson. Et puis, les conditions ont l'air vraiment pas mal. Je pense que je vais passer au leurre de surface. J'ai regardé un peu. L'eau a l'air très bleue, très claire. Donc ça fait plaisir. Je vais mettre un leurre de surface pour commencer, je pense. Et ensuite, mettre des leurres souples dès qu'il va y avoir un peu plus d'eau sombre quand l'eau va descendre. Parce que ça agite toutes les petites particules proches des rochers, du coup l'eau se trouble un peu, j'ai l'impression. Enfin voilà, pour l'instant j'ai rien mis sur ma canne, j'attends d'être en bas pour voir ce qui m'inspire au moment de mettre un leurre. Puis bah voilà, moi je vous retrouve quand je suis en bas pour mettre un leurre. Puis je vous laisse profiter de cette nature magnifique, c'est la chance de pêcher ici. Faut savoir que oui, je pêche souvent dans les endroits assez urbains, assez industriels. Donc là ça fait vraiment, vraiment plaisir de pêcher dans ce genre d'endroit très sauvage. Ça fait plaisir. Enfin, voilà. Allez, je vous retrouve. Je vais pas vous garder plus longtemps. Je vous retrouve en bas. Allez, à tout de suite. Bon allez les gars, après avoir essayé au leurre de surface, sans grand succès, on va mettre un petit leurre souple. Je pense que je vais partir sur un super spindle en VJ36, monté en VJ36, 7 grammes je pense. Comme ça je pourrais très peu m'accrocher et je pourrais pêcher lentement le long des cailloux parce que là il y a deux beaux cailloux à raser avec un super spindle. Et après il sera trop tard malheureusement. J'en ai plus. Faut que j'en monte un rapidos. Ça n'arrête pas d'alterner entre nuages et soleil. Je trouve que c'est des bonnes conditions franchement pour faire du poisson. Mais pour l'instant ça veut pas. Il est 16h22, ça va faire 2h30 qu'elle descend. Donc là on va arriver dans les heures les plus rapides pour la descente. Là on va voir. En quelques minutes ça va vraiment descendre de beaucoup de mètres à mon avis. Et donc du coup je pense que c'est dans ces moments là qu'il va y avoir des passages de poissons, les barres vont se nourrir. Va falloir être présent. C'est pour ça que je vais me mettre un peu plus à gauche. Parce que là devant là je peux pas pêcher propre. Faut que je me mette dans un endroit où je pêche propre. Même si je fais qu'un poisson, je vous le dis, un poisson c'est l'objectif d'aujourd'hui. C'est de valider un poisson sur ce spot. Et ensuite revenir pour voir s'il y a moyen de faire des autres poissons au même endroit, dans les mêmes conditions et tout ça, bref. On va essayer ça maintenant. Un phoque incroyable, il est là. Il vient de plonger encore là. J'espère qu'il va ressortir. Ah oui, il est là. Regardez, un phoque incroyable. Il me regarde. Oh super.
Magnifique. Superbe. Bon, les gars, je vais bouger. Il y a un semblant de pointe juste à côté. Voilà, pas très loin là, de là où je suis. Mais s'il y a un phoque ici, c'est-à-dire qu'il y a du poisson. Ça, c'est plutôt bon signe. À la limite, j'y reviendrai tout à l'heure s'il est parti. Mais déjà, c'est plutôt bon signe. Parce que ça veut dire qu'il est pas là pour rien, quoi. En plus, je le vois plonger souvent. Donc ça veut dire que peut-être qu'il va, il va chercher des poissons en dessous. Peut-être que c'est du bar même. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas une zone morte. Loin de là, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel, mais il faut juste tomber au bon moment. Voilà, un peu à gauche là, sur les... Oula. Au niveau de la pointe. Une sorte de pointe qui se dessine un petit peu. Oh putain, j'ai pris une attaque. Oh les gars, j'ai pris une attaque. Incroyable. J'ai pris une attaque de barre au leur surface. Allez, faut en piquer un maintenant. Vraiment dans pas d'eau. Hop, le fameux. Ça, c'est mon préféré. Le pachinko sans Ghostiwashi, c'est mon préféré. Certes, j'en ai pas fait beaucoup avec cette saison, mais en bord de mer, j'ai fait des tueries dans le Cotentin avec. Avant les années passées, vous avez vu ça sur ma chaîne. Donc là, je le sens bien celui-là. Ouais, je vais juste faire un poisson, ça serait trop bien. Allez, on y croit. Oh, poisson, poisson, l'attaquer. Yes, yes, c'est un pinch, mais ça fait plaisir. Ah là là, quel bonheur, quel bonheur. Ah là là, quel plaisir. Je vous l'avais dit les gars, on allait faire du bar sur ce spot. Et en plus, en surface, l'objectif il est atteint. Ah, ça fait plaisir. Ah yes. C'est un pins, mais comme je vous ai dit, je m'en fiche total. Je m'en fiche total. Yes. Yes, yes, yes. Ah, superbe. Bon, comme je vous dis, oui, c'est vraiment un pinsouille. Mais c'est un poisson. Il y a du poisson en surface. Et je sens que tu peux en faire du plus gros ensuite. Ah putain, yes. Yes. Un poisson de bord de mer qui fait vraiment très plaisir. Allez, on va le relâcher. Tout petit bar, mais bar de bord de mer. Et c'est ça qui fait plaisir. Et je vais reprendre ma canne, parce que là, si je le mets là, il va rester enfermé, le pauvre. Donc la marée descend super vite. Ah, on n'est pas bredouille. Et je suis venu là pour ça. Là, si la session s'arrête maintenant, je suis content. C'est pas grave. Mais je sens qu'il y a moyen de faire un très joli poisson. Là, je le sens qu'on est sur une zone propice. Allez, hop, tu vas pouvoir aller regagner la mer. Allez, repart mon petit coco. C'est super. Super. Allez, on continue, on perd pas de temps. On va essayer d'en faire d'autres. Et des plus gros, pourquoi pas. Ça, ça serait qu'un plus. Déjà, la session, elle est réussie. Et bon, bah, voilà les amis. C'est la fin. C'est la fin de cette session. J'aurais touché un poisson. Là, je dois être à contre-jour de ouf. J'essaie de marcher comme ça. J'ai touché un poisson durant cette session. Voilà, un petit poisson d'à peine 30 cm au pachinko 100. Mais j'aurais eu une attaque, ça c'est sûr, je l'ai vu. Et pour moi, il y a des moments aussi où des barres étaient derrière le leurre et devaient être plus jolies parce que ça faisait des traînées derrière, ça faisait des gros remous. Donc je pense qu'il y avait du monde derrière à certains moments, mais malheureusement, ça n'a pas pris.
Mais bon, je suis déjà. Je vous ai dit, mon objectif c'était de prendre ne serait-ce qu'un poisson. Et ça a été fait. Si je regarde le sol, c'est parce que je me concentre pour pas tomber en marchant dans les cailloux. Oui, donc du coup, l'objectif c'était de faire un poisson. En plus, je voulais en faire un hors surface. Du coup, j'ai combiné les deux objectifs en un. Ça fait plaisir. Voilà, on est arrivé enfin à trouver comment faire un poisson ici. Donc, j'y reviendrai. J'ai un peu saisi l'endroit et le type de spot. Ça faisait une sorte de baie avec peu de fond et ça se remplit avec quelques cailloux devant. Enfin, après c'était vraiment un petit bar, mais je pense qu'il doit y avoir moyen de faire des plus gros dans les baies comme ça où c'est un peu plus calme, où les vagues du coup se cassent moins. Voilà, c'est ça, ça fait plaisir. Je vais mettre comme ça pour faire la fin. Voilà, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, on est sur un super coin, regardez ça. C'est vraiment sublime quoi. C'est sublime et puis ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas trop de. Bah, il n'y a pas trop de concurrence parce que comment dire, l'accès est difficile, donc faut être décidé pour y aller quoi. Donc on se retrouve pas à 50 000 pêcheurs sur le même spot. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré le fait qu'il n'y ait eu qu'un poisson. Mais comme je vous ai dit, malheureusement c'est compliqué le bord de mer à tout comprendre d'un coup en une session. Du coup voilà, faut y aller petit à petit, faut y aller plusieurs fois à des situations différentes, des conditions différentes, et puis on en finit par tirer des conclusions. Voilà. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, allez ciao, et n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. Allez salut les gars.